La demande qui a été faite, les critères qui sont demandés, avec beaucoup d'humilité, je pense que je suis l'un des rares Guinéens qui répond à ces critères. Tant sur le niveau de la formation, aujourd'hui le niveau que j'ai, au-delà de ce que j'avais, la licence CAF, j'ai fait une formation de PAISAC qui me donne tous les moyens d'avoir la maîtrise, le savoir du football dans son ensemble. Et cette compétence qui est composée de 5 savoirs, c'est-à-dire le savoir en tant que tel, c'est la théorie. L'APE Bangour a une maîtrise théorique du football aujourd'hui. Le savoir-faire, c'est la pratique, j'ai cette pratique. Le savoir-être, je pense que j'ai ce comportement, j'ai ce caractère, j'ai cette rigueur de travail, même si certaines personnes pensent autrement. Après, le savoir-faire-faire, c'est transmettre ce que tu as appris aux athlètes et aux autres formateurs. Et l'APE Bangoura sait se remettre en cause. Je me dis, quelque part, certes j'ai fait de bonnes choses, mais aussi il y a de mauvaises choses. J'ai pu me remettre en cause et c'est pourquoi j'ai continué ma formation. J'ai fait mon diplôme de PAISAC. Je suis aujourd'hui le représentant de l'Académie Coaching Mental du Maroc en Guinée. J'ai cette attestation d'honneur, j'ai ce diplôme. Et vous avez vu même l'équipe du CHAN du Cameroun. Vous avez vu sur le plan mental l'apport qui a été fait. Je pense que l'APE a toutes les compétences requises aujourd'hui et il répond mieux aux critères demandés par le CONO. Alors, pourquoi ce dépôt tardif? Ce dépôt tardif, il est clair, il fallait analyser. Quand le premier magistrat du ministère des Sports fait son choix sur un candidat, moi je me dis c'est lui le payeur, pourquoi je vais venir m'aventurer? Deuxièmement, quand le représentant, l'officier de médias du Connor, Makagi, je l'ai vu intervenir à la télé en faveur du même sélectionneur, je me suis dit c'est pas la peine de venir jouer un théâtre. Mais entre-temps, vu la réaction, les connaisseurs du football, sachant que je reprends tous les critères, j'étais à une grande émission en France, tout le monde m'a vu, j'ai écourté ma mission pour répondre à cet acte patriotique. Et je dirais haut et fort, je ne pense pas qu'il y ait un technicien guinéen plus patriote que moi.